vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Voilà, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une connaissance exacte de la nature des lettres, hein, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes. Quelles les diverses articulations des voix? Bon, il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. Bien. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas de celle d'en haut. A. E. A. E. Ma voix, oui. Ah, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Cela est frais. Vive la science. La voix haut. La voix haut se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Ah, cela est admirable, hein? L'ouverture de votre bouche fait justement comme un, comme un petit rond qui représente, hein? Vous avez raison. Que n'ai-je étudié plus tôt. Pas de pitié, pas de quartier. J'en sais rien. C'est difficile, franchement, quand on vous appelle pour des réparations, etc., parce que vous êtes dur. Nous, franchement, on essaye, on encourage tous nos collaborateurs à traiter tous les locataires comme des clients et à faire un effort pour aller au devant de leurs besoins et surtout pas se sentir fort dans un marché qui aujourd'hui est difficile pour les locataires. C'est une question d'image de marque, c'est très important. Oui, non, je crois que... C'est la vérité. Oui, vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un, ou vous moquez de lui, eh bien, vous ne sauriez lui dire que... Cela est vrai. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose.